C'est une certaine époque de la télévision française et c'est une première avec ce jeu des chiffres et des lettres. Un jeu proposé par Armand Jameau qui mêle compétences en calcul et connaissances du vocabulaire des candidats. Ce 4 janvier 1972, ce jeu, c'est une première, est proposé par l'animateur Patrice Lafont. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous présenter pour la première fois ce soir le nouveau jeu d'Armand Jameau, des chiffres et des lettres. En fait, il reprend le principe du mot le plus long, que beaucoup d'entre vous connaissent et retrouveront, j'espère, avec plaisir. Mais dans cette émission, Armand Jameau a associé au mot le plus long un nouveau jeu de chiffres, que nous appellerons le compte est bon, et qui va vous permettre de faire des opérations de calcul mental. L'atmosphère, ce soir-là, sur le plateau, est studieuse. On entendrait une mouche voler. Deux candidats face à face, ce soir-là, pour cette première, une femme et un homme. Et c'est Monsieur Panciot qui va commencer tout de suite à jouer avec nous au mot le plus long. Monsieur Panciot, je vous écoute. Consonne. Consonne. Voyelle. 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 Top. Quatre lettres. Quatre lettres. Madame Cooks. Pas mieux. Pas mieux. Joie. J-O-I-E. Espérons que ce sera un bon présage pour vous, Monsieur Panciot. Je l'espère. Vous marquez donc 4 points. Et après les lettres, on passe aux chiffres. 50. 50, oui madame. Que multiplie 10 plus 8, c'est-à-dire 900. 900, oui. Moins 1. Moins 1, 899, c'est exact madame, le compte est bon. L'émission a conquis les foules. Les téléspectateurs sont là, de plus en plus nombreux devant leur poste, s'organisant en club. Armand Jameau, donc le créateur du jeu, affiche un large sourire. Il me semblait que c'était le deuxième pied de l'émission, le matériel culturel de base, l'alphabet et le vocabulaire, les signes et les symboles de l'arithmétique. Et vous connaissez le résultat. Si ça avait été une mauvaise idée, non, il y a longtemps que ça n'existerait plus, qu'on ne serait pas en train d'en parler. Quant à Patrice Lafont, l'animateur vedette, il préfère lui aussi en sourire. Généralement, un animateur est fait pour parler, pour interviewer les gens. Et puis quand il a fini, on ne le voit plus, c'est les gens qui répondent. Tandis que moi, on me voit tout le temps, même quand je ne parle pas. Les gens disent « Oh, qu'est-ce qu'il a l'air sinistre ?» Mais non. Puis quand je fais comme ça, ils se foutent de notre gueule. Non, pas du tout, je souris, c'est tout.